vas souffrir, Peter Parker. Désolée de pas être revenue, j'étais malade. Ça arrive à tout le monde, non? Gwen. Hey, Peter. Gwen, faut qu'on parle. Écoute, le gang dont je t'ai parlé a découvert qui j'étais. Et ce matin, ils ont essayé d'assassiner Tante May. Maintenant, tous mes proches sont en danger. Je peux pas sauver tout le monde. Et je voudrais pas qu'il t'arrive un truc à cause de moi. C'est pour ça que je pense que... pour ta sécurité, il faudrait mieux qu'on s'arrête là, nous deux. T'es sérieux? Non, je refuse. Hey, Gwen, c'est pour ta sécurité. Écoute, j'aime que tu sois Spider-Man. Je suis prête à affronter ces risques à tes côtés. Je t'aime, je n'ai pas peur. Non, Gwen, je me le permettrai pas. Peter, attends. Je t'aime. Merci, Cletus. Oh, Gwen a l'air tellement triste. Mais offre-lui des fleurs, ça rend les femmes heureuses. Mais on vient de se séparer, Banane. C'est super bon ici. Merci, Monsieur Lee, d'être là pour nous et pour les personnes dans le besoin. C'est très aimable à toi, Peter. Tu sais, tu peux m'appeler Martin maintenant. Peter, ouvre! Tu devras pas être là! C'est trop dangereux, Gwen! Peter, personne n'a à faire mes choix à ma place. Si je veux affronter les risques, personne n'a le droit de m'en empêcher. Gwen, stop! Écoute non, ton cœur. Non, stop! Stop! Arrête! Peter! Extraordinaire. Peter, j'ai eu le vaccin et visé. Je suis trop fort. Bravo Ned, et toi aussi Gwen. Bravo à toi aussi. On se voit à la soirée de fin d'année? Oui, t'inquiète, on sera là. Bisous Gwen, je t'aime. On se voit à la soirée de fin d'année? Oui, t'inquiète, on sera là. Bisous Gwen, je t'aime. Parker se souviendra de cette soirée. Hey les gars, c'est qui la fille trop canon là-bas? C'est Kate Bishop, une pote à Gwen. Vas-y, tente ta chance si t'es un homme. Mademoiselle Kate Bishop, m'accorderez-vous cette danse? Ok, beau gosse. Regarde-moi ça, ça y est, Miles devient un homme. Ned!
Tu m'as sauvé la vie. C'est dénal avec mon théâtre de mensonge. Allez. Gwen! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Il faut appeler une ambulance! Pour l'instant, elle est toujours vivante. Mais très faible, l'explosion lui a été très violente. Le pronostic vital est enclenché. Désolé, monsieur Parker. Calme-toi, respire. Comment tu veux que je reste calme après ce qui vient de se passer? Tu te rends compte, j'ai désobéi à Tante May, ces gars ont découvert qui j'étais, et maintenant tous mes proches sont en danger. Ouais, non, j'avoue, ça craint. Au moins maintenant, tu comprends l'importance de l'identité secrète. On doit résoudre cette enquête au plus vite, avant qu'il se passe un autre drame. Ok, moi j'ai entendu parler d'une bombe souterraine. Et moi j'ai entendu parler d'un naufrage, d'un bateau qui faisait du trafic d'humains. On devrait plutôt creuser par là, non? Comme ça, si on trouve le boss, hop, on l'amène aux flics et plus de bombes. Fais une recherche internet sur les naufrages qui ont eu lieu aux États-Unis ces dernières années. Oh, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être le Titanic. Mais n'importe quoi, il est même pas parti de Chine. T'as pas vu le film de James Cameron ou quoi? En plus, à part si le boss c'est Captain America ou Wolverine, ça m'étonnerait qu'il ait connu le naufrage du Titanic. Donc cherche plus récent. Et celui-là? Bien joué, Mice, c'est sûr que c'est ce bateau-là. Le choker m'a aussi dit que le boss était le seul survivant du naufrage et que pour sa sécurité, il avait pris l'identité d'un des naufragés. Donc là, il fait un peu nuit, mais demain, à l'aube, on devrait explorer l'épave. Avec un peu de chance, on pourrait peut-être trouver une carte d'identité ou un indice à ce sujet. Miles, t'as trouvé quelque chose? À part des squelettes? Non, rien. Miles, dans la sacoche, j'ai trouvé quelque chose. Je suis Martin. Et le dernier survivant de ce naufrage. Une fois arrivé aux États-Unis pour sa propre sécurité, il a dû prendre l'identité d'un des esclaves décédés lors du naufrage. Ça lui pourrait faire de sonder l'esprit du vol sans doute. Deux identités totalement composées. Ça y est, je viens de tout comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Herman nous a peut-être trahis, mais nous réussirons notre plan. Ce soir, cette bombe explosera. Cette mauviette de Martin Lee veut sauver cette ville. Moi, je veux la détruire. Ce soir, nous serons enfin libres et nous fonderons un monde à notre image. Ça y est, je viens de tout comprendre. Je crois qu'il va falloir ajouter Parker à l'équation.